Donc, pour cette troisième keynote de ces conférences R, on accueille aujourd'hui Yann Holt, donc spécialiste en analyse et visualisation de données. Donc après un parcours en tant que data analyst dans divers instituts de recherche, Yann travaille actuellement pour Datadog, donc en tant qu'ingénieur logiciel. Et notamment, il construit des librairies pour la visualisation interactive de données. Alors fort de ses connaissances dans le monde de la data, data vise et de l'ingénierie logicielle, euh, Yann a créé du coup plusieurs sites web et euh, ces sites web sont sûrement connus de certains d'entre vous. On peut notamment citer Airgraph euh, Gallery qui est euh, une galerie de visualisation euh, créée sur Air pour accompagner... Euh, les utilisateurs de R sur leur code pour créer des, des graphes, ou encore Data2Vis, qui est plus un site sur la théorie des graphiques. Et aujourd'hui, Yann va nous présenter R in the DataVis universe. Et je vais te laisser la parole. Euh. Euh, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Ça fait 8 ans que je n'avais pas fait une rencontre R. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir parler de deux choses qui me plaisent énormément dans la vie, à savoir R et à savoir la datavise. Donc je m'appelle Yann Holtz. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans le domaine de la datavise. Et j'estime avoir pas mal de chance parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans des univers très différents de la datavise. Euh, J'ai travaillé dans la recherche en tant qu'ingénieur d'études, en tant qu'ingénieur de recherche sur des sujets différents. Euh, parfois en étant chercheur moi-même, parfois en étant en appui à la recherche. J'ai aussi été freelance pour développer des petites applications euh, d'analyse de données. Et euh, maintenant, euh, je travaille en tant que développeur front-end dans une grande entreprise. Et du coup, je fais de la data visualisation en JavaScript pour faire des graphiques très compliqués. Alors. Euh, Aujourd'hui, je vais parler de, du Dataviz Universe. En général, quand on pense au Dataviz Universe, on pense souvent à tous les types de graphiques qui existent. Euh, comment est-ce qu'ils sont organisés, etc. Et euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Effectivement, j'ai créé ce site qui s'appelle datatoviz.com. C'est une sorte de classification de tous les types de graphiques qui existent. Et ça permet, on décrit son jeu de données tout en haut de l'arbre. On décrit ce qu'on a dans son jeu de données. et Ça propose des types de visualisations. Ça permet de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'il faut utiliser, dans quelle situation. Euh, mais aujourd'hui, comme on a une conférence de tech sur R, je ne vais pas parler de cette manière de voir l'univers, mais je vais plutôt parler euh, de tech. Alors là, il a... normalement, il y a un cœur en fait, entre AI et tech, mais il y a eu un petit problème d'open office et du coup, mes emojis, ce n'est pas trop ça il faudra faire avec. Euh, quand on parle de tech, il y a pas mal de choses. Euh, par exemple, on peut parler de R, on peut parler de Python, on peut parler de D3js, de Shiny. Il y a plein de mots, je pense, qui sont euh, un petit peu familiers pour vous. Mais euh, très vite, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects de la tech. Euh, on peut aussi parler de Plotly, de Vega, il y a du JavaScript, il y a des outils no-code, il y a vraiment énormément de choses. Donc le but de ce talk, c'est d'essayer un petit peu de voir comment sont organisés les outils qui permettent de faire de la data-vise et comment est-ce que R se positionne parmi tous ces outils. Donc du coup en fait je vais parler de cinq grandes galaxies et la première galaxie dont je vais parler parce que c'est la manière avec laquelle j'ai découvert la datavise euh, il y a une dizaine d'années, c'est les spreadsheets. Donc les spreadsheets en général, c'est euh, Excel et Google Sheets. Alors en général, quand on prononce ce genre de mots à une conférence sur R, on se retrouve avec ce genre de réaction avec euh, des grimaces, des gens qui ont peur et en plus avec des emojis déformés, c'est c'est pas mal. Mais en vrai, il y a quand même pas mal de choses qui sont bien avec les spreadsheets. Mais moi, je vois dans ma vie de tous les jours, quand je dois faire je sais pas moi, les comptes euh, du budget de soirée, euh, je vais souvent me retrouver à trouver Excel, à utiliser Excel, et ça marche pas si mal. Vous savez tous comment ça marche un tableau, très vite on peut intégrer des graphiques, c'est simple, c'est efficace. Alors, je me suis quand même posé la question pourquoi est-ce qu'on aime aussi peu Excel euh, dans le monde de la data science j'ai vu trois grands groupes. Euh, le groupe de la data vise, où effectivement on se retrouve avec des défauts qui sont vraiment très mauvais pour les graphiques. On connaît tous ce euh, graphique camembert en trois dimensions euh, de Excel avec des couleurs atroces. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ce choix-là, mais ils l'ont fait. Euh, on a un, type, euh, un, un jeu de type de graphique qui est quand même assez limité et on n'a pas d'interaction possible sur les graphiques. Donc ça, c'est le, le premier groupe. Euh, le deuxième groupe, c'est tout ce qui est euh, gestion du jeu de données. On appelle le data wrangling en anglais. Euh, faire des statistiques, ça va être compliqué. Euh, si on a un énorme jeu de données, ça va être très compliqué, on va même parfois pas pouvoir le loader. Donc bref, manager des données, ça va être compliqué. Et la dernière chose, c'est tout ce qui touche un peu à la reproductibilité. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui décale une ligne d'une colonne et ensuite le dataset ne veut plus rien dire ou ce genre de choses. Euh, personnellement, ça m'est arrivé. Euh, donc pour moi, c'est déjà un logo no qui fait qu'on ne peut pas utiliser Excel sérieusement dans, en data science. Donc ça c'était la, la, euh, la première galaxie. Je suis passé très vite parce que c'est pas celle qui, qui, qui m'a intéressé le plus. Très vite, euh, on a pu voir qu'il y, qu y a des choses qui fonctionnent mieux. La deuxième galaxie, c'est euh, les outils que j'appelle les outils euh, no-code. Donc faire des visualisations de données, mais sans coder. Euh, L'exemple le plus connu, l'outil le plus connu, c'est probablement Tableau. Mais il y a aussi euh, ClickView, il y a aussi Power BI, il y en a plein. Euh, et il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle Datawrapper, euh, qui est gratuit. Je voudrais vous montrer juste très rapidement comment, comment est-ce que ça fonctionne. Euh, on va sur euh, datavrapper.com, je crois que c'est. On clique en haut à droite sur euh, générer une vise. On se retrouve avec une modale qui ressemble à ça. Euh, là, on va pouvoir loader ces données en CSV, en Excel, en JSON. On va même pouvoir les copier, euh, coller euh, dans, la petite, euh, dans la petite input. Euh, Et de là, on va se retrouver avec euh, plein de graphiques proposés. Et la différence avec Excel, c'est que les graphiques sont de très bonne qualité, avec des très bons défauts. C'est fait par des gens qui s'y connaissent très bien en vise et qui font vraiment du bon boulot. Donc en quelques clics, on va pouvoir exporter son graphique et euh, on peut aussi euh, le partager dans un site web euh, avec un iframe. Euh, c'est un, un outil qui marche vraiment très très bien, même si je pas très souvent parce que j'aime coder. Euh, je pense que ça vaut vraiment le coup euh, de savoir qu'il existe. En fait, quand je travaille dans la recherche, j'ai vu énormément de gens qui perdaient des heures, voire des jours, sans exagérer, à faire un graphique, parce qu'ils faisaient du R de manière ponctuelle. Et à mon avis, c'était quand même franchement une perte de temps, parce qu'ils seraient allés beaucoup plus vite à faire un graphique de ce genre-là, il n'y aurait pas eu de perte de qualité sur leur travail, et tout le monde se serait retrouvé gagnant. Donc si vous avez des gens dans vos labos, dans vos entreprises, qui font du R de manière très ponctuelle, je pense que ces outils, il ne faut pas les décrier, et euh, ils peuvent valoir le coup d'être utilisés. Donc ça, c'était ma, ma deuxième galaxie. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, ma troisième galaxie, qui sont les, les outils où on programme pour faire de la data science. Donc R, évidemment, mais on a Python aussi, euh, Julia, et il euh, y en a d'autres aussi qui sont propriétaires, comme Stata, euh, que je connais euh, beaucoup moins, mais euh, qui fonctionne un petit peu selon le, le même modèle, sauf que c'est payant, donc euh, pourquoi l'utiliser donc moi j'ai découvert R euh, il y a une dizaine d'années dans mon premier stage et j'ai mon maître de stage qui m'a montré qu'en faisant plot 1-1, je pouvais me retrouver avec un graphique. Et honnêtement j'ai trouvé ça formidable. Euh, après très vite j'ai commencé à essayer de faire un petit peu plus de graphiques avec et je me suis aperçu que c'était formidable mais que c'était quand même une sacrée galère. A euh, l'époque, il n'y avait pas autant de documentation euh, qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant d'exemples en ligne qu'aujourd'hui. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais euh, help, nom de la fonction, j'essayais les exemples, je bidouillais, et je comprenais un petit peu euh, ce qu'on pouvait faire. Et ce qu'on voit, c'est qu'en base R, en R basique, il faut quand même pas mal de lignes de code pour avoir un graphique qui n'est pas incroyable, incroyable. Très vite, je me suis aperçu que ça m'amusait quand même beaucoup. Donc ça c'est une de mes premières créations, c'est un sapin de Noël fait en R, j'étais vraiment très fier, je l'ai partagé avec tous mes collègues à la, à la fac et c'était cool. Mais euh, plus sérieusement, comme ça m'a vraiment beaucoup amusé de faire des graphiques, c'est là que je me suis retrouvé à créer ce site qui s'appelle AirGraphGallery. Euh, RGraphGallery.com c'est un site euh, sur lequel il y a environ 400 exemples de graphiques faits en R, toujours avec le code euh, et toujours avec des explications, plus ou moins bonnes. Euh, les graphiques sont divisés en 52 catégories. Et donc, ça va assez vite de trouver un exemple qui correspond à ce que vous êtes en train d'essayer de faire dans votre vie de tous les jours. Donc vous trouvez l'exemple qui vous plaît, vous mettez vos data à la place des datas que j'ai proposées, euh, et ça peut peut-être vous faire gagner du temps. Aujourd'hui, c'est un site qui a quand même pas mal de trafic, qui est pas mal utilisé dans la communauté R. Donc, euh, j'espère avoir mis ma petite pierre à l'édifice du, du R dans le DataVis universe. R ensuite, c'est quelque chose qui a, qui a pas mal évolué. En 2001, il y a la librairie Lattice qui est sortie avec une nouvelle API en, euh, qui permettait de faire des graphiques de manière euh, un, petit peu, plus, un peu, petit peu plus instinctive et surtout qui aidait beaucoup à faire ce qu'on appelle des small multiples. Donc, les small multiples, c'est quand on sépare la fenêtre graphique en plusieurs petits graphiques, chaque graphique parlant de un groupe. Et surtout, la vraie révolution, ça a été en 2007, euh, le le déploiement de ggplot2 que vous connaissez probablement tous. Donc ggplot2, c'est vraiment énorme. Je pense que dans la communauté R, vous vous rendez compte que ggplot2 est énorme parce que tout le monde en parle. Mais en fait, ça va même en dehors de la communauté R. Euh, J'ai connu la communauté Python un petit peu. Il y a même un, un package Python qui reproduit un petit peu la syntaxe de ggplot2 pour faire des graphiques. Et même encore plus loin que ça, même dans le monde de JavaScript, euh, il y a un package de JavaScript qui permet de faire des graphiques en utilisant la même syntaxe que, que ggplot2. Donc c'est assez énorme dans mon monde de développeur web dans lequel je vis aujourd'hui. Tout le monde connaît euh, GGplot2, enfin les gens qui font de la vise dans le web connaissent GGplot2. Donc c'est vraiment monstrueux. La question est pourquoi est-ce que ça a aussi bien marché euh, Pour moi, il y, y, y a plusieurs raisons. Euh, la première raison étant qu'on a une manière consistante de faire des graphiques. Donc là, en trois lignes de code, ça fonctionne toujours de la même manière. On appelle la fonction ggplot, on donne un dataset, ensuite on a un esthétique où on dit ce qu'on veut en x, en y, en couleur. Ensuite on dit quel type de graphique on veut avec quel type de forme on veut. Et ensuite, potentiellement, on met des thèmes. C'est toujours la même chose, euh, c'est facile de s'en souvenir, c'est logique. Et du coup, ça rend la vie beaucoup plus simple qu'avant que ggplot 2 existe. Euh, la documentation est vraiment bien faite. Les défauts sont vraiment bons, donc ça c'est pas le défaut que vous voyez, c'était le, le graphique d'avant défaut, mais les défauts sont déjà bien mieux que ce qu'on avait en R simple. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que c'est très très simple de rajouter des thèmes, de rajouter des extensions, et de faire en sorte que Gplot2 soit encore plus puissant. Donc là, avec juste une ligne de code en plus, j'ai euh, un nouveau thème que, personnellement, je trouve plus joli que le, le thème euh, par défaut. Il euh, y a aussi la communité... La commu, communité commu, ouais, voilà. Désolé, je n'ai pas l'habitude de parler en français quand je fais des talks à la communauté, euh, qui fait qu'il euh, y a plein, plein de gens qui se sont mis à faire des graphiques en ggplot2, et donc du coup tout le monde s'est rendu, rendu compte à quel point c'était génial. Euh, ça, c'est le travail de quelqu'un qui s'appelle Cédric Scherer, que j'aime beaucoup, euh, qui publie beaucoup de graphiques sur internet, euh, où il a pris un ggplot tout simple, et petit à petit il a montré toutes ses étapes de fabrication pour arriver à un graphique qui est de bien meilleure qualité à la fin. Euh, sur lesquels il y a des annotations, sur lesquels il y a une petite carte pour comprendre de quoi ça parle, sur lesquels la palette de couleurs est agréable, euh, sur lesquels on a des jeux d'opacité, etc. Donc là, ce que j'essaie d'illustrer, c'est qu'en fait, avec ggplot2, c'est très très simple, euh, de manière graduelle, d'arriver à un graphique de, tr de très très bonne qualité. Quelque chose qui a énormément joué aussi euh, dans le succès de ggplot2, c'est les extensions de ggplot2. Donc il y a ce site web qui, à mon avis, est, est très très bien fait, qui liste toutes les extensions qui existent. Et on s'aperçoit qu'avec ggplot2 on pouvait faire beaucoup de choses, mais grâce aux extensions, on peut aller encore plus loin. Par exemple, il y a Patchwork qui permet de mettre plusieurs graphiques les uns à côté des autres. C'était quelque chose qui a toujours été une galère à faire, et c'est une API qui est vraiment très simple à utiliser, ça a rendu la vie beaucoup plus simple à tout le monde. Euh, et ainsi de suite. Il y a plein d'exemples comme ça qui permettent de vraiment aller très très loin avec ggplot2. Comme on peut aller vraiment très très loin avec ggplot2, il y a des gens qui se sont amusés à aller vraiment très très loin avec ggplot2. Donc ça, c'est encore un exemple de Cédric Scherer, Ce que vous voyez, c'est un stream graph qui représente l'évolution de l'apparence de cinq personnages dans X-Men. Et on voit qu'on a, a quand même un graphique qui est vraiment prêt à être publié. Quoi On a quelque chose qui est joli. C'est impossible de savoir que ça a été fait avec R. Euh, on a des annotations, on a une police différente, on a une image qui a été intégrée pour avoir un logo. Euh, bref, on a un graphique qui est vraiment de très très bonne qualité et qui a été fait avec ggplot2. Quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup qui publie des visualisations sur internet, c'est Tania Shapiro. Ici, c'est un exemple avec un, un tableau. Euh, et une fois de plus, ce que j'essaie d'illustrer ici, c'est à quel point on peut aller loin avec ggplot2. Euh, là, on a des images qui ont été intégrées, on a une petite sparklines pour toutes les lignes, les alignements sont parfaits, il y a des fontes différentes qui ont été utilisées. Bref, c'est vraiment un résultat qui est, qui est magnifique. Euh, c'est impossible de savoir que ça a été fait en R, c'est vraiment un, un travail de, de designer. En plus de ggplot2, on a une explosion du nombre de packages euh, qui existent dans R. Donc, ça, c'est le nombre de packages publiés par, euh, par an. À l'heure actuelle, si j'en crois le graphique, il y a quelque chose comme 18 000 packages qui existent. Et ça fait que pour la vise, il y a aussi d'autres possibilités dans R. Donc, il y a un package qui est assez connu qui s'appelle Rayshader, qui permet de faire euh, ce genre de, de cartes, euh, plus ou moins en trois dimensions, où ici, on voit un petit peu les, les espèces les plus présentes euh, en Allemagne. Euh, ça fait vraiment des, des graphiques de, de super qualité. Donc en fait, ce que j'essaye d'illustrer ici, c'est que pour moi, dans ces x dernières années, on est passé de R, qui était utilisé pour faire essentiellement de l'exploratoire, pour faire de la recherche, pour faire des graphiques qui étaient lus uniquement par les gens qui analysaient les données pour comprendre ce qu'il y avait dans leurs données, et maintenant on est plutôt aussi dans l'explicatif. On sépare souvent les, la data vis dans ces, dans ces deux côtés-là. On a aussi de l'explicatif. On a aussi des gens qui vraiment racontent des choses avec des données et qui vont pouvoir être publiés et, et lus dans des journaux. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, les beaux graphiques faits en R, j'ai créé un site web qui s'appelle dataviz-inspiration.com. C'est une sorte de page Pinterest avec tous les projets de dataviz que j'aime bien. Alors actuellement, il y en a environ 200. Vous cliquez sur un projet, il y a une petite description et un lien vers le vers le projet. Donc si demain vous avez besoin de faire un scatterplot, vous pouvez vous connecter dessus, cliquer sur scatterplot, avoir plein d'exemples de scatterplot et ça vous inspirera peut-être pour en faire un à votre sauce. Et il y a une manière de filtrer sur tous les projets faits en R. Donc ici, vous avez un snapshot de de projets qui ont été faits en R et qui sont intégrés à datavisinspiration.com. Alors euh, comme souvent les gens sont l'humain et insatisfaits par nature, euh, une fois qu'on a vu que R pouvait faire autant de choses incroyables pour créer des charts statiques, euh, souvent on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque, c'est les graphiques interactifs. Euh, Qu'est-ce que c'est un graphique interactif Ici, ce que vous voyez, c'est un GIF d'une petite partie de l'application sur laquelle je travaille. Donc, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Datadog. On fait ce qu'on appelle du cloud monitoring, mais ça n'a pas beaucoup, pas beaucoup d'importance. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que quand on passe la souris sur un graphique, on a un petit curseur qui va apparaître, on a tout le type qui va apparaître, le curseur va être synchronisé d'un graphique sur l'autre. Euh, si je clique dessus, j'ai une pop-up qui va apparaître. Bref, on a de l'interactivité. On peut faire vraiment plein de choses, et ça permet d'aller beaucoup plus loin en termes de data vis, beaucoup plus loin en termes d'exploration de données, raconter plus d'histoires avec les données. Et du coup, ça, ça m'amène euh, à ma quatrième galaxie, à savoir les graphiques interactifs sur le web. Alors, pour faire un graphique interactif sur le web, il faut deux composantes. Il faut un browser, comme Firefox par exemple, et il faut du JavaScript. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut faire... Euh, une toute petite vise euh, en, trois, en trois diapos sur le web. Quelque chose qui m'a pris un peu de temps à comprendre, c'est qu'en fait un site web, c'est juste un fichier avec une extension .html et un petit peu de code dedans. Donc si je prends ce fichier, ce script qui a cinq lignes de code, que je l'enregistre en tant que index.html sur mon bureau et que je double clique dessus, j'ai un site web. Ce site web il est tout simple, il y a juste ce qu'on appelle une div, c'est une balise, euh, c'est juste un carré en fait. Et du coup je me retrouve avec un site web tout simple avec juste un rectangle. Voilà, c'est le site web le plus simple qu'on peut, qu peut fabriquer. Euh, Par-dessus, on va rajouter une seconde couche qu'on appelle le CSS. Euh, le CSS, c'est ce qui permet de rajouter du style à sa page web. Donc ici par exemple j'ai dit background color black. Hop, je me retrouve avec le fond d'écran qui est noir. Et ensuite, j'ai donné une couleur à mon rectangle et je me retrouve avec un rectangle qui est bleu. Donc ça, c'est la deuxième composante euh, d'un site web. Et ensuite j'ai la troisième composante qui est JavaScript. JavaScript, c'est en fait ce qui va permettre de récupérer les éléments de ma page web et de les manipuler. Donc ici, vous n'avez pas besoin de voir le code en détail, mais en fait ce que je fais, c'est juste euh, une boucle, euh, et à chaque itération de la boucle, je déplace mon rectangle de 5 pixels vers la droite, et du coup je me retrouve avec euh, un rectangle qui bouge. Donc en fait ça c'est la vise la plus simple, euh, je pense, qu'on peut créer. Euh, c'est juste pour illustrer un petit peu comment ça marche euh, quand vous faites un graphique euh, interactif. Euh, derrière. Alors bien sûr quand on a, quand on a besoin de faire des, des vrais graphiques, ça devient un petit peu plus compliqué. Euh, là, j'ai une cinquantaine de lignes de code pour faire un scatter plot qui n'est qui est pas brillant. Euh, comment est-ce que ça marche Je commence par définir des scales. Donc, des scales, c'est quelque chose qui va transformer la valeur d'un point du jeu de données euh, en une position en pixels. Euh, ensuite je vais faire une boucle sur toutes les lignes de mon dataset, et pour chaque ligne, je vais récupérer la position en X, la position en Y et je vais dessiner un cercle. Euh, ensuite, je vais rajouter un petit peu de code pour euh, l'axe la, la, des X et l'axe des Y. Ce que j'essaie d'illustrer ici, c'est qu'en fait, très vite, ça devient quand même assez compliqué. Là, j'ai une cinquantaine de lignes de code pour faire quelque chose que j'aurais pu faire beaucoup mieux en trois lignes de R. Euh, donc il y, y a clairement de la complexité qui va avec. Par contre, les résultats qu'on peut avoir derrière peuvent être assez impressionnants. Ici, euh, j'ai un graphique circulaire avec euh, plein de labels qui sont situés autour du cercle. Euh, j'ai un bar plot qui est en miroir, c'est-à-dire qu'il y a une barre vers le haut, une barre vers le bas. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai une carte du monde représentée avec des bulles pour chaque pays. Et si vous allez sur Internet, en passant la souris au-dessus d'un nom de pays, ça va euh, le montrer sur la carte, ça va le, le highlighter. Euh, donc en fait, on peut, on peut vraiment aller très très loin. Moi, ce que j'aime dans le monde de JavaScript, c'est qu'il n'y a plus de limites. Euh, c'est vraiment infini. Euh, toutes les vis qu'on peut, qu peut créer. Donc, euh, le, le, le bilan de ce que j'essaie d'illustrer ce ici, c'est qu'on a énormément de flexibilité, mais par contre, il va falloir écrire énormément de code et ça va être beaucoup plus compliqué de mettre en place une vis. Qu'est-ce que font les développeurs quand il y a trop de complexité Ils rajoutent des niveaux d'abstraction. Donc, il euh, y a deux niveaux d'abstraction dont je voudrais parler. Donc, en fait, un niveau d'abstraction, c'est jamais que du code qui encapsule du code. On a 20 lignes de code, c'est trop compliqué, on en fait une fonction, euh, c'est une abstraction. Euh, le premier niveau d'abstraction dont j'ai envie de parler, c'est d 3js et le deuxième, c'est toutes les autres euh, librairies JavaScript qui, qui existent. d 3js je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est la librairie pour la visualisation de données sur le web. Euh, c'est des dizaines de milliers d'étoiles dans GitHub, c'est vraiment euh, quasiment toutes les visualisations interactives que vous allez voir dépendent de D3 de près ou de loin. Par contre, D3, c'est pas comme la fonction boxplot de R. Il euh, n'y a pas de fonction boxplot. D3, c'est juste que des petites fonctions qui vont nous aider à faire des choses bien précises. Euh, par exemple, j'ai la fonction trimap. Ça ne va pas me dessiner une trimap. Par contre, ça va me prendre mon jeu de données et calculer la position de chaque rectangle dans mon trimap. Et ensuite, c'est à moi d'aller dessiner le trimap. Euh, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais par contre, on garde toute la flexibilité euh, dont on a besoin sur le web. Donc, ça, c'est D3.js et c'est vraiment un mot-clé à retenir si vous vous intéressez à la visualisation sur le web. Et ensuite, l'autre possibilité d'abstraction qu'il y a, c'est les, les librairies graphiques JavaScript, comme Plotly par exemple. Attention, ici, je parle bien de Plotly pour JavaScript, pas Plotly pour R il euh, y en a plein d'autres, et là ça ressemble vraiment beaucoup à R en fait, on prend ces données, on dit quel type de forme on veut, euh, quel type de couleur on veut, est-ce qu'on veut une légende ou pas, et hop, tout le code est fabriqué pour nous. Donc là c'est vraiment un parallèle entre R et JavaScript, c'est la, la même manière d'aborder le, le problème, par contre c'est beaucoup moins puissant parce qu'on perd en flexibilité. Des graphiques comme Plotly, il y en a plein d'autres, il y a VegaLite, il y a ChartJS, il y a Leaflet qui permet de faire des cartes, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a énormément de compétition dans, dans ce milieu-là, dans, dans le milieu de JavaScript. Donc là, j'en ai fini avec ma dernière galaxie. C'était euh, la galaxie du web. Comment est-ce qu'on fait des graphiques sur le web J'espère vous avoir un petit peu permis de comprendre comment ça fonctionne, un graphique interactif qu'on qu lit dans un browser. Et du coup, en fait, il reste... Euh, ce qui reste, c'est les ponts entre R, ou Python, et le monde du web. Et, euh, vous connaissez un petit peu ces ponts-là, mais euh, je voudrais en parler pour expliquer en fait, comment est-ce que les ponts se font d'un monde à l'autre. Donc ces ponts-là, en fait, il y en a trois. Il euh, y a les, les HTML widgets, il y a R Markdown et il y a Shiny. Donc, je voudrais expliquer un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent chacun d'entre eux. Donc les HTML widgets, c'est un ensemble de packages euh, qui sont tous listés dans ce site web, qui permettent de faire des graphiques interactifs en R. Mon préféré, à mon goût, c'est Plotly. Cette fois-ci, je parle de la librairie R Plotly. Donc, en fait, il euh, y a quelque chose qui est absolument fabuleux avec Plotly, c'est qu'on peut faire un graphique ggplot, donc là vous avez tout le ggplot que vous connaissez, et si ensuite on fait la fonction ggplotly de mon plot, on se retrouve avec exactement la même version, mais en interactif. Donc ici vous avez un bubble chart dessus, euh, vous avez un tooltip quand vous passez la souris euh, au-dessus d'un point, vous pouvez zoomer, vous pouvez cliquer sur des légendes pour faire apparaître et disparaître des groupes, etc. Donc en fait je trouve ça absolument fabuleux parce que si vous savez faire du ggplot, vous savez déjà faire des graphiques interactifs, vous n'avez rien de plus à apprendre, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Mais il faut bien essayer de comprendre ce qui se passe quand on fait du, du plotly en R. En fait on a la librairie R de plotly qui imite la syntaxe de ggplot2, qui elle-même va appeler la librairie javascript qui s'appelle Plotly.js. Cette librairie javascript Plotly.js elle est basée sur D3.js dont j'ai parlé auparavant et D3.js à la fin, ça fait du javascript. Donc en fait, on s'en rend pas compte, mais à la fin, on finit par écrire du javascript en R, sauf qu'il y a un paquet d'étapes entre les deux. Donc c'est super puissant, mais il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière et comprendre pourquoi est-ce qu'on perd des capacités par rapport à faire du javascript directement. Là, j'ai donné un exemple avec Plotly, mais en fait, toutes les librairies JavaScript dont j'ai parlé tout à l'heure ont souvent un équivalent en R ou en Python. La librairie JavaScript VegaLite, ça a donné Alter euh, en Python. Chart.js a sa librairie R. Leaflet a sa librairie R, etc. Donc, en fait, on a souvent des équivalents. Donc quand vous utilisez une de ces librairies en R, gardez en tête qu'en fait, vous êtes juste en train d'encapsuler du code JavaScript qui a été écrit par d'autres gens. Le deuxième pont est. Euh c'est mon package préféré, clairement en R, c'est R Markdown. Je pense que vous connaissez tous R Markdown, ça permet d'intégrer du texte, euh, des images, du Markdown, du code R avec des résultats. On clique sur un bouton et on a un report à la fin. Personnellement, je trouve ça absolument fabuleux et ça permet d'avoir du HTML à la fin. Pourquoi est-ce que je trouve ça fabuleux Parce que ça permet de faire ce que j'appelle mon pipeline de rêve, qui est le pipeline que je décris à tous les amis qui se mettent à faire de la data science. Donc euh, on prend des données. On prend un fichier R Markdown et on se retrouve avec un report de ce genre-là, qui est déjà un, un résultat fantastique. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir un template un peu plus sympa que le défaut. Donc ça, c'est un template qui s'appelle Epurate que j'ai créé. Euh, je n'ai jamais beaucoup communiqué dessus, mais je l'utilise personnellement. Et si vous allez sur Airgraph Gallery ou sur un de mes autres sites, en fait c'est ce template-là qui est utilisé derrière. Euh, et comme on est en R Markdown et qu'on va faire du HTML, on peut mettre des graphiques interactifs. Donc là vous reconnaissez... Euh, le bubble chart dont j'ai parlé tout à l'heure qui a été fait avec Plotly. Donc déjà là on est passé euh, d'un code euh, que personne ne pourra comprendre à un document un petit peu sympa euh, qu'on qu va être assez heureux de retrouver six mois plus tard. L'étape d'après c'est qu'en fait on peut envoyer ce document sur GitHub. GitHub c'est un endroit où tous les développeurs euh, sauvegardent leur code. Euh, ça permet d'utiliser Git, on en a parlé un petit peu ce matin, d'avoir du contrôle de version, etc. Euh, ça permet de jamais perdre son travail. Enfin, ça a des millions d'avantages. Et ça a un avantage encore supplémentaire, c'est qu'en fait, en cliquant sur deux boutons sur GitHub, votre fichier HTML de sortie de la Markdown, ça va devenir un site web. Donc, en fait, ce document qui est relativement joli avec mon template RMD va devenir un site web. Plutôt que qu'envoyer mon report à mes collègues une fois par jour à chaque fois que j'ai avancé, je leur donne juste un URL. Quand ils vont se connecter sur l'URL, ils pourront voir la dernière version de mon travail. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fantastique et qui rend la vie vraiment beaucoup plus simple à mon goût. Euh, donc voilà, R Markdown, il faut bien comprendre que c'est un pont, une fois de plus, entre R et le monde du web, puisqu'on fournit un fichier HTML à la sortie. Un fichier HTML, c'est un site web. Et le dernier pont, c'est Shiny. Donc euh, Shiny, c'est quelque chose qui va permettre aussi de faire un site web, mais de faire un site web qui est dynamique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un serveur qui est capable de réfléchir, qui est capable de faire tourner des fonctions R et de nous donner un résultat. Shiny, c'est quelque chose qui est absolument fantastique euh, pour faire du prototype prototypage d'applications web. Et ce qui est absolument fantastique avec Shiny, c'est que du coup, sur le web, on a accès à toute la puissance statistique de R, qui est quand même formidable. Parce que faire des statistiques en JavaScript, il y a des choses qui sont possibles, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'en R. Donc heureusement que Shiny est là dans, dans ce genre de cas de figure. Donc euh, moi, j'aime beaucoup Shiny. Il y a encore un cœur là, normalement. Euh, et en fait, c'est Shiny qui m'a donné le goût de devenir un développeur web. Euh, j'ai fait de la vie, j'ai fait du Shiny, j'ai trouvé ça formidable et je me suis dit en fait c'est ça, ça que je veux faire, je veux faire des, des graphiques pour internet, je veux mettre des boutons, je veux que ça bouge, je veux que les gens puissent vivre leurs données, euh, je, trouve ça, je trouve ça formidable. Depuis, ça fait 4 ans que je travaille en tant que développeur web, sur, euh, donc on fabrique une application qui est quand même assez compliquée, et donc je me suis aperçu un petit peu aussi de quelles pouvaient être les limites euh, de Shiny. Donc j'ai envie de parler de deux limites aujourd'hui, et la première limite c'est la complexité. Euh, ça c'est euh, encore une fois un snapshot de l'application qu'on fabrique à, à Datadog. Euh, le but c'est pas forcément que vous compreniez exactement comment ça marche. Euh, la première chose à voir c'est que c'est plutôt joli, ça ressemble à quelque chose. Et la deuxième chose à voir c'est que c'est compliqué. Je sais cette slide a fait un petit peu peur, qui euh, commence à être hier. <laughs> Euh, C'est compliqué parce qu'il faut que les gens puissent s'authentifier. Euh, on a une table ici, mais pour les performances, on utilise ce qu'on appelle du windowing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les lignes qui sont chargées d'un seul coup, mais quand on scrolle, on fetch la data pour euh, la rajouter dans le tableau. Euh, quand on clique sur un graphique, on a ce qu'on appelle un contexte menu qui va nous permettre d'aller vers d'autres pages. Euh, on a plein de petits composants qui doivent être ensuite réutilisés partout ailleurs dans l'application. Euh, donc du coup, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un design system pour faire en sorte que les boutons soient les mêmes partout et puissent être réutilisés. Euh, on a une application qui est très lourde, donc en termes de performance, c'est un vrai challenge de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'attendre. On utilise ce qu'on appelle du lazy loading, c'est-à-dire qu'on va loader une page seulement à la demande et jamais avant. Euh, les graphiques vont loader de manière progressive. On va fetcher les 10 dernières minutes, puis les 10 minutes d'avant, puis les 10 minutes d'avant, etc. Donc en fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on est à peu près 200 ingénieurs front-end à travailler sur le sujet et à peu près 1000 ingénieurs back-end à travailler sur le sujet. Euh, et tout ça, ça serait impossible de le faire avec shiny, parce que en shiny, en fait, on, on va encapsuler du code JavaScript, et donc il y a des modules qui vont pas encore exister, ou il euh, y a des choses qui vont pas encore être disponibles, ou on aura toujours, euh, on sera toujours un petit peu une, une étape derrière, parce qu'on ne sera pas vraiment les mains dans le JavaScript euh, directement. La deuxième limite dont, dont je voudrais parler, c'est poser la question est-ce que vous avez besoin d'un serveur Je m'explique. Euh, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une toute petite application Shiny. En gros, c'est un tableau avec trois colonnes, Yann, Mélanie, et j'ai une time series pour Yann, une time series pour Mélanie. J'ai un bouton qui me permet de visualiser le résultat pour Yann, et un bouton qui me permet de visualiser pour Mélanie. Et donc ça me permet de passer de l'un à l'autre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, je vais sur Internet, je clique sur Mélanie, ça envoie un message euh, au serveur qui comprend Mélanie, qui fabrique le graphique, qui m'envoie le graphique. Ensuite, je clique sur Yann. Ça envoie un message euh, au serveur qui va faire le graphique pour Yann et qui va me le renvoyer. Et ainsi de suite. Donc on a des allers-retours permanents, ce qui est absolument fantastique parce que ça veut dire que le serveur, lui, il connaît R. Si je veux faire tourner une fonction super compliquée en R, il va pouvoir le faire. Par contre, dans ce cas de figure où j'ai besoin de faire quelque chose qui est vraiment très très simple, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un serveur Si je fais la même chose en JavaScript, euh, ça va se passer de manière très différente. Parce qu'en fait, mon browser, Firefox, il connaît JavaScript. Il sait le faire. Donc là en fait, je vais demander au serveur de me donner la page web, et ensuite quand je vais cliquer sur Yann ou cliquer sur Mélanie, je vais plus jamais rien demander au serveur. C'est ce qu'on appelle un site web statique. Et ça en fait, ça a quand même pas mal d'avantages. Le premier avantage en termes de data vis, c'est qu'on peut passer de peut faire des transitions animées d'un état à l'autre. Donc ici vous voyez que la time series elle bouge du bas vers le haut de manière graduelle. C'est pas une image qui disparaît qui ensuite réapparaît. Et le deuxième avantage. C'est que on n'a aucun problème euh, de gestion de serveur. Je n'ai pas besoin de payer un serveur, je n'ai pas besoin de manager un serveur. Euh, euh, je peux le mettre en fait sur GitHub gratuitement, comme je l'ai montré avec euh, le, le site web à Markdown auparavant. Et, euh, et ça, ça rend quand même la vie beaucoup, beaucoup plus simple. Et personnellement, avant d'avoir ces connaissances-là, je me suis souvent retrouvé à faire des petites applications Shiny dans lesquelles il n'y avait pas besoin de serveur. Et aujourd'hui, même dans, les, dans, mes, dans mes travaux de recherche permanents, je me retrouve à devoir gérer un serveur d'une étude que j'ai fait il y a 8 ans, parce que j'ai encore besoin de ce serveur, alors que j'aurais très bien pu le faire sans serveur. Donc en fait, je pense que c'est une question qui est intéressante à se poser. Euh, si vous faites une application qui doit aller durer sur le long terme, qui doit être utilisée par des clients, euh, par des centaines de clients, est-ce que vraiment vous avez besoin d'un serveur ou pas Et Oui, un avantage supplémentaire, c'est qu'on peut avoir un million de personnes qui se connectent sur le site web en même temps, il n'y a aucun problème, le site web va fonctionner correctement. Donc voilà, ça c'était le, le pont entre le monde de la data analytics et le, et le monde du web. Euh, je m'approche doucement de la fin de ma présentation. Euh, et en fait, pour conclure, j'aimerais dire à quel point je trouve que c'est un moment génial pour faire de la data science et de la data vise à l'heure actuelle. En fait, avec tous les outils que je viens de présenter, ça veut dire que très vite, euh, on peut réussir à faire son graphique. La technologie n'est plus une limitation, la seule limitation c'est l'inspiration qu'on peut avoir et les connaissances qu'on peut avoir pour utiliser cette technologie. Euh, à mon avis, R c'est un choix qui est absolument génial pour plein 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 d'utilisations, mais par contre, euh, comme il y a plein d'outils, des fois euh, il faut réussir à choisir le bon outil. Je pense que R c'est le, le bon cas de figure dans, c'est la, la bonne chose dans plein de cas de figure, mais il y a aussi des fois où peut-être il faut envisager euh, d'autres outils. J'ai parlé des outils no code, j'ai parlé des outils qui ont lieu sur le web. Donc voilà, faire le bon choix entre la pilule bleue et la, et la pilule rouge. Euh, une autre chose qui fait que je pense que c'est un moment euh, qui est génial pour faire de la data science et de la data vis c'est que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser énormément. Ici vous avez la, la front page, la, la page de couverture de, du New York Times avec un, un graphique et euh, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu forcément imaginer euh, il y a plusieurs années, mais maintenant euh, je ne sais pas si vous lisez le les décodeurs du monde par exemple, il y a des graphiques partout. Enfin les graphiques et les graphiques animés sont de plus en plus euh, présents et c'est fabuleux parce que le, le public les comprend, et le public les attend et donc c'est un moment génial pour faire la data vis euh, la dernière chose dont, dont je voudrais parler, et pour être honnête, je suis assez surpris qu'on n'en parle pas plus pendant, pendant la conférence, euh, c'est l'arrivée de l'IA. Euh, ce que vous avez ici, c'est un site web qui s'appelle r Tutor. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça fait, ça fait pas mal de bruit. En gros, vous avez une petite boîte en haut à gauche dans laquelle vous pouvez rentrer du texte euh, et demander à ChatGPT euh, comment euh, synthétiser un graphique. Vous allez lui dire en langage, en anglais, et il va vous faire le code et le graphique de résultats. Vous allez lui dire, ben, mes points, je les voudrais un peu plus gros. Il va vous les faire un petit peu plus gros, etc. Euh, en tout cas, dans mon métier, dans mon monde de, de développeur front-end, on parle de ça tout le temps parce que la grande question, c'est est-ce qu'on va être au chômage bientôt euh, Je ne sais pas si vous avez l'occasion de jouer avec ces outils, mais c'est impressionnant à quel point ça fonctionne bien. Euh, moi, j'ai une vision un petit peu plus optimiste de ce qui va se passer. Et je pense que on ne va pas être au chômage, ça va juste nous permettre d'être plus performants, de faire plus de choses et surtout de passer moins de temps sur les tâches routinières inintéressantes euh, du dev. Personnellement, j'utilise ChatGPT dans mon travail tous les jours maintenant euh, et ça m'aide à faire les fonctions qui ont déjà été codées euh, 10 000 fois par euh, d'autres humains sur la planète. Euh, par contre, il y a toujours besoin de mon cerveau pour réussir à les agencer ensemble et faire en sorte que l'application euh, fonctionne, euh, fonctionne à la fin. Euh, donc voilà, je pense que ça, ça rend le, le travail encore plus, euh, encore plus excitant aussi. Je pense qu'on a, a des beaux jours devant nous pour faire des, pour faire des graphiques. Euh, si vous vous intéressez un petit peu euh, à mon travail, je suis sur Twitter, Airgraph euh, et je partage euh, régulièrement un petit peu des, des news de, de ce que je fais. J'ai six sites web, euh, datatouvise.com on en a parlé, dataviseinspiration.com on en a parlé, et ensuite j'ai quatre galeries de graphiques en R, en Python, euh, en D3 et en React. React c'est un framework JavaScript et c'est pas, pas évident de faire des graphiques en React euh, et en fait je viens de commencer une année sabbatique dans mon travail donc euh, je vais passer beaucoup de temps à travailler sur ces projets là donc en fait pour moi c'est aussi une occasion là, de faire un appel, si vous avez créé une super librairie R et que vous voulez gagner en visibilité, que vous voulez partager un tutoriel sur Airgraph Gallery ou sur un de mes autres sites euh, c'est avec plaisir d'en discuter avec vous et, euh, et la dernière chose que je voudrais dire c'est remercier énormément les tous les bénévoles qui, qui organisent la conf et, et de m'avoir invité. C'est absolument, absolument fantastique et, et gentil de votre part. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Yann. On va essayer de mettre les questions du Slido dans l'écran parce qu'il y en a eu énormément pendant que tu présentais. <laughs> Je sais pas si c'est une euh, bonne nouvelle, mais. <laughs> non, c'est une bonne nouvelle. Et au, aux gens, vous pouvez aussi voter. Donc, s'il y a une question que vous voulez pas qu'on rate, c'est voter pour celles qui sont là déjà. déjà. OK, donc, première question. Qui des données de uploader sur Data Wrapper euh, ou autre pour faire un graphe Quelle garantie que ces données ne sont pas conservées par les services Alors, je ne travaille pas pour DataWrapper, je ne les connais pas, donc je ne peux pas donner de bonnes réponses à cette question. Euh, mais pour moi, il y a deux cas de figure. Si vous voulez juste faire un PNG de votre image, l'entreprise a, à mon avis, aucun intérêt à garder vos, vos, vos données, donc il n'y a pas trop de risques. Par contre, ils ont aussi une option qui permet de sauvegarder vos données, d'avoir le graphique interactif, et ensuite vous avez un URL que vous pouvez du coup intégrer dans votre site web, ce qui est quand même vraiment euh, utile. Euh, mais par contre, dans ce cas-là, bah, évidemment, ils vont avoir euh, vos données euh, à disposition. Ok, merci. Donc la deuxième question qui a eu pas mal de votes. a t déjà essayé WebR et R compilé pour Web, euh, WebAssembly Et que, que penses-tu de l'impact que cela va avoir sur le déploiement d'applications Shiny sans serveur Alors, j'ai entendu parler de WebR, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Euh, la personne qui a posé cette question, j'aimerais vraiment beaucoup discuter avec elle parce que je pense que l'impact va être absolument énorme. Euh, donc, WebAssembly, en fait, c'est un langage qui permet de faire tourner d'autres langages que JavaScript dans un browser. Donc, en gros, ça voudrait dire que demain, Firefox, il saurait comprendre du code R, euh, le faire tourner et donner un résultat. Donc, en fait, ce que j'ai expliqué avec les données qui avaient besoin d'aller du browser vers le serveur, etc., pourrait être énormément simplifié grâce à WebAssembly. Je sais que ça marche très bien avec Python à l'heure actuelle. Avec R, je pensais que ça ne marchait pas. Et très récemment, j'ai vu un tweet de quelqu'un qui en parlait. Et je pense que ça peut avoir un impact absolument énorme. Donc, euh, si j'ai bien compris, sur les sites statiques, euh, ah, les, don les données sont chargées dans les browsers. Quelles sont les limites en termes de taille de données Ok, très bonne question. Et effectivement, c'est exactement ça. Toutes les données vont être loadées dans le, dans le browser. Euh, et c'est effectivement une des énormes limites des sites web statiques. Euh, quelle va être la limite La limite, en fait, euh, elle va dépendre de l'ordinateur de la personne et de la connexion Wi-Fi de la personne. En gros, si le jeu de données est monstrueux, avec une connexion pourrie et un ordinateur pourri, ça va prendre énormément de temps et le site web va peut-être même friser et cracher. Euh, par contre, avec une super connexion, euh, avec la fibre et un dernier Mac, il euh, n'y aura, aura pas de problème. La qualité de l'ordinateur, ça joue pour le traitement après, hein, pas, pour le, pas pour les loader. Ok. Je pense que c'est un peu... C'est très lié, mais à partir de quel niveau de complexité d'une appli shiny, euh, bon, à quel moment c'est mieux d'aller vers une appli shiny versus un site HTML statique ah, C'est dur ça. <laughs> c'est dur. OK, alors, déjà, si votre site web, il a besoin de faire tourner une fonction R, par exemple, vous avez un modèle qui est fait en R et vous avez besoin de faire tourner ce modèle. À l'heure actuelle, le browser, il ne sait pas vraiment faire du R, donc vous allez être obligé d'avoir un serveur Shiny. Donc déjà, ça, c'est un élément de réponse. Ensuite, ce qu'il faut bien se poser aussi comme question, c'est que développer un, une interface Shiny, ça va beaucoup plus vite que développer une application web en JavaScript. Euh, et ça demande des, des, des compétences différentes. Donc si c'est juste un prototype pour votre équipe, ou même si c'est quelque chose qui va être mis en production, mais utilisé par euh, une dizaine, une centaine, un millier de personnes, je pense que Shiny, ça va très très bien faire le taf. Par contre, si demain, vous avez... Énormément de personnes qui ont besoin de se connecter et que c'est vraiment votre business modèle et que c'est ça que vous vendez, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut se poser la question de le, de le faire en JavaScript. Euh bon, que penses-tu Observable pas mal poussé par Quarto <laughs> ah bah C'est marrant parce que je parlais de ça à midi. Euh, donc, Observable, du coup, je suis obligé d'expliquer un petit peu ce que c'est. Observable, en fait, c'est un notebook euh, JavaScript. Euh, donc, on va avoir des cellules dans lesquelles on va pouvoir mettre du texte, des cellules dans lesquelles on va pouvoir mettre du code en JavaScript et on va obtenir des résultats. Euh, ce qui est assez fantastique avec euh, Observable, c'est que quand on va rajouter du contenu dans une cellule, automatiquement il va comprendre quelles sont les cellules dépendantes et ça va updater le document. On n'a pas besoin de refaire tourner le document de, de A à Z. Euh, c'est un outil qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Maggie My, My Bostock, qui a fabriqué des 3JS. Donc c'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance pour faire des outils incroyables. Il y a maintenant une galerie d'exemples qui est monstrueuse, ça permet de collaborer en ligne très facilement. Enfin, bref, c'est un outil qui est, qui est solide et qui, qui, à mon avis, a des beaux jours devant lui. Après, moi, il y a quand même quelque chose que j'aime pas dans Observable, c'est que c'est relativement compliqué de récupérer le code d'un notebook Observable pour l'utiliser dans son site web. Par exemple, je vois un scatterplot qui me plaît beaucoup euh, dans un notebook Observable. Je vais avoir envie de récupérer ce scatterplot et le mettre dans mon site web à moi. mais Il va falloir que je réussisse à comprendre les cellules, dans quel ordre est-ce qu'elles vont, dans quel ordre est-ce qu'elles s'appellent. Euh, et parfois, ça peut être vraiment compliqué en fait, d'arriver au, au résultat final. Donc je trouve qu'il y a quand même un côté un peu frustrant avec observer. Bon, je vais mélanger les deux dernières questions. Et quelle est la techno que tu utilises pour tes sites web et pour les dashboards que tu développes à Datadoc OK. Alors pour mes sites web, Airgraph Gallery, c'est fait en AirMarkDown. Euh, donc en fait, enfin, c'est fait en HTML, CSS, JavaScript pour les pages d'accueil. Et ensuite, chaque tutoriel individuel, c'est fait en AirMarkDown. Euh, Data2viz, c'est fait en R Markdown. Euh, et ensuite c'est là que j'ai commencé, et Python Graph Gallery s'est fait avec euh, Jupyter, Jupyter Notebook. Et ensuite j'ai commencé à travailler dans le monde du web, donc c'est là que j'ai appris à faire du JavaScript. Et donc là j'utilise un framework qui s'appelle React, enfin une librairie qui s'appelle React avec un framework qui s'appelle Next.js par dessus, euh, qui permet de faire euh, des sites web avec React. Euh, je peux expliquer React ce que c'est si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que ce soit le, le plus intéressant là tout de suite. Bon. Merci beaucoup Yann, on va continuer avec les autres présentations, mais bravo et merci beaucoup pour cette présentation.